You are listening to 213 Rock with Herek Melodica on Vinyl Times Radio. Let's go. Hell yeah, c'est la Web Rock Station, Vinyl Times, le Classic Rock Radio en direct avec nous ce soir, Dimitri du groupe Primal Age. Bonsoir Dimitri, comment vas-tu? Salut à tous, ça va très bien. Ça va, bienvenue ce soir donc dans l'émission 213 Rock, Herek Melodica pour t'accompagner durant cette interview en Vinyl Times Classic Rock Radio. Merci en tout cas d'être en direct avec nous ce soir. Merci à toi. Ouais. En direct ce soir, donc Primal Age, Dimitri Best Player qui vient nous présenter l'album Masked Enemy. Dimitri, j'ai envie de démarrer l'interview par I'm here to speak for all generations to come. Ouais. Ok, bah écoute, vas-y. Ouais, nous sommes ici ce soir en direct pour parler des générations à venir. C'est par ces mots que vous n'êtes, que votre nouvel album commencera. Ouais, c'est, alors, justement, tu fais bien d'en parler parce que c'est, là, quand on répond aux interviews, on nous parle beaucoup de, on nous dit qu'on a repiqué un petit bout du discours de Greta Thunberg. Et pas du tout, en fait, c'est un vieux discours qui date de 92. Donc, quasiment à la création du groupe de Mademoiselle Suzuki. Severn Suzuki. Donc, c'est pas du tout Greta Thunberg. Mais bon, voilà, l'esprit reste le même, effectivement. Donc, comme ça fait partie de l'ADN du groupe, tout ce qui est défense de toutes les formes de vie, en fait. Donc, on a tenu à démarrer ce nouvel album par ce speech. Ouais, par ce speech, effectivement, quoi. Cet album, après tant de mois de travail, tous les problèmes qui étaient liés aux santé publique, etc., c'est l'aboutissement d'une étape qui sera achevée à sa sortie dans quelques jours. C'est ça, voilà. Donc là, ça a été particulièrement compliqué. C'est pas tellement le contexte qui a fait que ça a été chaud pour nous. La grosse incertitude, c'était juste de pouvoir booker le studio. Parce que pour le reste, on va dire c'est plus des problèmes d'effectifs. À un moment, on s'est retrouvé sans batteur, etc. Et donc, heureusement qu'on a eu le concours, la main tendue par un bon pote, Rudy, qui officie dans Explicit Silence, qui voyait qu'on était au point mort, qu'on s'en sortait pas là, avec la batterie, qui nous a demandé d'écouter un petit peu un morceau. On lui en balancé un. En fait, direct, il nous a renvoyé la batterie qui colle. Et là, ça s'enchaînait super vite. Et donc... on a pu enfin rattraper les mois de retard parce que le projet était déjà amorcé depuis
presque 4 ans, quoi. Ouais, justement, à l'heure actuelle, il y a un single qui est disponible hein, sur tous vos réseaux sociaux, The Devil is Hidden, Ouais. In the Shadow, In Shadow. Ouais. C'est le seul titre pour l'instant que vos fans, les gens qui vous suivent, ont écouté et ceux qui vous découvrent en même temps, quoi. C'est ça, là, en fait, on a pris cette option de ne dévoiler qu'un titre pour le moment, vu que la sortie officielle, bah, c'est le 11, là. Donc, c'est très prochainement. Mais voilà, on s'est dit, en attendant la sortie officielle, on balance juste un titre. Et alors, c'est pas un single spécialement, en fait. Là-dessus, je sais pas si tu as eu l'occasion d'écouter, Si, mais si. là, on a une composition qui est assez homogène, enfin, en termes de qualité. Là, on est vraiment fiers de tous les morceaux. Et voilà, on a pris celui-ci parce qu'il est peut-être plus représentatif de l'album en général. Et voilà. Justement, cet album, comme tu dis, diversifié, il a quand même été enregistré par Guillaume Dussault au Swan Studio. Et puis, il y a un mix de malade, quoi, par Alain Duchesse. Et tout ça, c'est très moderne, Ouais. quoi. C'est moi, c'est la première chose qui m'a surpris. J'ai dit, waouh, le son, très moderne, quoi. Et je peux même vous dire les influences, Alors. quoi. Ok, bah ça c'est cool. Et en fait, ouais, on a eu cette chance justement, bah, c'est toujours par le biais de Rudy, là, d'Explicit, qui avait enregistré chez Boom. Il a son 15e album là, à la batterie, enregistré, donc il connaissait bien les lieux, il connaissait bien le gars, donc on y allait en confiance. Et ce qui a rajouté en fait à notre décision, c'est bon, en plus c'est pas très loin de chez nous. C'est quand il nous a dit qu'il bossait donc avec Alan Dutch en direct, qu'il était habitué à bosser avec lui. Donc là, on s'est dit, ça, c'est un bon point, parce que prendre un mec pour le master qui cartonne, c'est cool, mais on a déjà eu l'expérience par le passé, quand le mix n'est pas forcément celui qui est voulu par la personne qui va faire le master. Des fois, ça pose des problèmes, que là, on savait que ça allait couler tout seul, et il nous a fait deux propositions pour le master. On a tous été unanimes, on a choisi voilà, cette voie-là, donc la version qui est là, Moi, c'est le mix qui m'a et on est plu. super. Moi, c'est le mix qui m'a plu parce que ça m'a rappelé deux choses. Parce que j'ai dû remonter quand même à une période quand même assez lointaine pour comprendre ce qui s'est passé, quoi. Moi, ça m'a rappelé Cro-Mags, ça m'a rappelé Slayer en même temps, quoi. Cro-Mags, le Edge of Quarrel, et Slayer, le Season in the Abyss. On n'est pas loin, quoi. Surtout dans l'esprit Slayer. Il y a un esprit Rick Rubin qui est chez vous, quoi. Dans le mix, il y a un esprit Rick Rubin. Ça, là-dessus, je suis indéniable là-dessus. C'est du Rick Rubin, voilà. C'est de la haute gamme, quoi. Ouais, c'est ça. C'est dans le style, quoi. C'est cool, parce que forcément, là, ce ne sont pas des références sur lesquelles on peut cracher, bien au contraire. Ah non, je suis un fan de Rick Donc, Rubin et moi ça m'a percuté tout de suite. Je dis oula, quand j'ai entendu ça, j'ai dit oh yeah, là il y a du Rick Rubin, c'est sûr. J'ai écouté ce disque, j'ai écouté des guitares. Effectivement, c'est ultra incisif. Ça rappelle effectivement, il y a de bonnes références. Je dis il y a un côté crossover entre Cro-Mags et Slayer qui sont des groupes très importants pour tout ce qu'on a écouté en termes de metal crossover et heavy metal. C'est juste incroyable quoi. Et cette personne-là a été très importante du fait de son label Def Jam et toutes les découvertes qu'il a pu faire, tous les mélanges, tous les mix, tout ce qu'il a pu faire dans sa vie. Dès qu'il a touché au métal, ça a été percutant tout de suite, quoi. Et c'était ça, quoi. Et ce côté mix-là, c'est très moderne. C'est pour ça, tout à l'heure, j'ai précisé que il y avait un son très moderne à l'intérieur, quoi. Ouais, c'est ce qui m'a attiré. c'est ce qu'on voulait. Alors, c'est comme tu as pu le voir, on sort pas des albums tous les 4 matins, donc Ouais. quand c'est le cas, forcément on veut, ça veut dire qu'on a la matière, qu'on a l'envie d'aller en studio, Ouais. et qu'on veut que chaque titre ait sa place. Donc, même pour te donner un exemple, il y avait un titre qui était prévu en plus, et on était à 2 sur 4 à en être content, et ben, le morceau a fini à la benne. Et voilà, on s'est dit, bon, plutôt que de tergiverser, on est tous unanimes sur les autres, ok, on met les 9 qu'on a là, et puis on balance la sauce comme ça, et l'autre, bah, tant pis, et il part à la trappe. Mais voilà, on voulait vraiment avoir un album ultra abouti, et on en est plus que content, parce que je te dis, ça a été un accouchement particulièrement difficile. Entre le démarrage de l'album et sa sortie finale, il y a eu 5 batteurs en tout sur le projet. Ouais, forcément la période sanitaire qui s'est greffée, donc on a trouvé des moyens, on a bossé à distance, comme on habite tous assez éloignés les uns des autres pour la plupart. Bon, on trouve des moyens, on fait des visios, on enregistre des trucs, on se les balance, tout ça, un peu comme font tous les groupes. Ouais, mais c'est très précis, hein. Franchement, c'est réussi, hein. Moi, après, je connais pas. C'est toi qui nous fais découvrir l'histoire, donc, de à peu près ces 2 dernières années concernant le groupe, puisque le groupe quand même date de il y a très longtemps. Il y a un paquet de choses qui ont été faites. Il y a une histoire derrière, une longue histoire même. Mais quand même, à l'écoute donc de ce album, je pense que vos fans vont être très surpris par la qualité, par le côté dynamique hein, derrière et très moderne. Ça, il faut vraiment le souligner et ça, c'est très important, quoi, parce que tout est bien équilibré, quoi, au final.
Bah c'est cool, mais en fait on avait vraiment hâte aussi de le sortir parce que bah tu sais comment ça se passe hein, quand en studio, tu sens hein, quand les choses prennent forme et tu vois et toi-même à chaque étape tu dis waouh ouais, là on s'est pas loupé et à chaque couche qui s'ajoute tu dis putain ça va faire mal et C'est bah, au ça. final on est sorti du studio, il restait plus que le master mais je te dis avec Alan qui travaille directement avec Guillaume on savait que ça allait péter de toute façon. Donc bah tu sais hein, quand t'as fait vraiment et là on est sorti, là on vient de faire notre meilleur album. Donc bah c'est cool hein, c'est plus que cool même. Ouais, c'est le résultat de beaucoup de, c'est le résultat de, d'après des galères, après des problèmes à gérer, c'est le résultat, il arrive, ça veut dire que vous avez bien bossé, vous avez pris les bonnes décisions et c'est très très bien bossé, quoi, en tout cas, quoi. Bah c'est ça, mais je te dis bah heureusement qu'on a eu une main secourable avec Rudy parce qu'on était vraiment en déche au niveau batterie et puis Ouais, faut y croire. bah on a été découragé d'un moment, c'est-à-dire que bah en fait on l'a composé à deux hein, l'album avec Flo qui est à la guitare puis donc moi enfin on a fait à peu près la moitié des morceaux chacun et quand tant que la batterie n'était pas en place bah c'est pareil il y a certains qui ont plus de mal à se projeter sur le rendu final des morceaux alors que toi quand tu composes tu sais ce que ça doit donner parce que tu as la batterie qui résonne dans ta tête. Et donc il y avait un côté hyper frustrant de voir que bah que ça avançait pas tout simplement. Et donc quand enfin la machine a été lancée, bah après là ça enquillait et puis bah moi j'ai profité là du premier confinement du coup pour placer les textes que j'avais écrits hein, pour les balancer à Didier après balancer le chant quoi. Et puis lui là il a fait son taf hein, de son côté, il a super bien bossé de son côté et on a pu faire qu'une répète à 5 avant le studio et puis au final tu vois ça a roulé chacun a vraiment géré je crois que à chaque poste chacun a pris une journée pour faire l'album en fait. Ça a été peut-être une journée et demie maxi là pour la batterie mais avec l'installation et tout c'est forcément plus long. En gros voilà, une journée par bonhomme pour l'album donc ça a coulé quoi. Ouais, c'est un investissement total. En direct avec nous ce soir, Dimitri, le best player of Primal Edge. Je rappelle que l'album sortira le 11 juin. Il s'appellera Masked Enemy. L'album démarre avec une intro. Ensuite, Wise Old Man. En 3, The Devil is Hidden in Shadow. En 4, Adolescent Humanity. En 5, Two Heads Monster. En 6, Masked Enemy. En 7, I Want You. En 8, The Downside of Progress. En 9, Who Dares Wins. En 10, Passion versus Fashion. Ensuite, en 11, Blinded by Cruelty, et en 12, l'album donc clôturera avec une outro, le Awakening of Consciousness sur 213 Rock, on Vinyl Times Classic Rock Radio. En direct ce soir, on parle metal, on parle crossover, on parle hardcore, on parle de beaucoup de choses, et là, on va entrer dans le vif du sujet, vraiment un sujet sur lequel le groupe est vraiment très reconnu, c'est son engagement envers la cause animale, le végétarisme, bien sûr, le véganisme, l'écologie, et la dénonciation de la surconsommation de masse. Voilà, ça, ce sont des thèmes que le groupe aime parler. Je me suis pas trompé, c'est bien ça, hein, c'est bien écrit sur votre bio, quoi, en tout cas. C'est ce qui est écrit sur la bio, effectivement. En fait, donc je te disais, moi j'ai l'habitude d'écrire les textes. Et en fait, quand il s'agit d'un album, bah, tu sais que tu vas partir pour 10 titres à peu près. Et donc l'idée, c'est de garder en fil conducteur ces thèmes et sans le côté redondant, c'est-à-dire il s'agit sur 10 titres d'en avoir deux ou trois qui vont aborder ces thèmes-là sous des angles toujours différents par rapport à ce qui a été fait sur les albums précédents. Et puis après, bah, laisser libre cours pour l'écriture, pour les autres textes, pour Ouais. faire quelque chose de varié. Et puis voilà, que ce soit. On garde ce côté militant, puis en même temps, bon, on se fait plaisir en partant sur d'autres horizons, quoi. Ouais, justement, j'ai remarqué chez vous, il y a un côté stratège, c'est bien ça? Un côté stratège, j'ai bien connu cette scène hein, à l'époque du 90 par là, avec des groupes comme il y a eu Minor Threat qui était quand même bien plus tôt, il y a eu Youth of Today aussi, Gorilla Biscuits, Judd, Slapshot, ça doit vous parler ça, moi je m'en souviens de ça quoi, les groupes stratège. Ce sont les groupes avec lesquels on est arrivé en fait, hein, plus Ouais, ou moins dans j'ai la grandi avec scène. ça. Ouais, j'ai grandi avec ça aussi. J'écoutais ça. J'écoutais Exodus, Slayer, Metallica, mais j'écoutais aussi ça, quoi. Les Minor Threat, Guilty of Being White. Oh, je m'en rappelle encore, quoi. C'était terrible, quoi. Minor Threat, ouais, c'est le groupe Ouais. qui a initié le mouvement. Ouais. Donc on est. Alors il y a une époque où je crois on devait y avoir une époque où tout le groupe était Strategy. Là aujourd'hui on va dire on est trois à être concernés. Et puis bah voilà,
En gros, bah, tu fais un petit peu de concession. Ah, il y a eu, C'est voilà. je me souviens, hein, il y avait bien sûr à l'époque, il y avait Roger Miret. Hein, ah, ça y est, ça va me revenir. Roger Miret, Oh. oh là là. Agnostique? Anoxic Front, effectivement. Il y a eu, ouais, il y a eu cette scène-là, il y a eu les Sick of It All, etc. Donc il y a eu, tu vois, ça, il y a eu toute cette scène-là. Moi, ça m'a rappelé ça. Ça m'a rappelé cette période, quoi. Tu vois, ça m'a rappelé de toute cette période de Washington DC jusqu'à New York et tout. J'étais dans les. Et puis pour moi, le leader, c'était vraiment, c'était Cro-Max, quoi. C'était Larne Flanagan. C'était incroyable, ce mec. Incroyable, ce type, quoi. D'ailleurs, il était en direct, hein, sur le 113 Rock. Il est venu. Il nous a raconté un petit peu son histoire. Elle est bouleversante, quoi. Elle est vraiment bouleversante, quoi. Je promets, hein. En direct, il nous a dit, je regrette beaucoup de choses parce que j'étais quand même, j'ai initié beaucoup de monde, beaucoup, beaucoup de monde, quoi, à ce type de musique, quoi. Ouais. Il nous l'a dit en direct, quoi. C'était un moment très émouvant, quoi. Un grand monsieur, en tout cas. Oui, tout à fait. Bah, de toute façon, il reste dans les personnages marquants. Hein. De toute Ouais. façon, Cro-Max, ça a marqué son époque. C'est ça. Ouais. Et Et les. l'album que tu évoques, Ouais. Jack Quarrel, forcément, ça reste une référence. C'est la référence, c'est ça, c'est la référence. Votre musique aussi, hein, c'est de l'énergie, comme vous dans votre bio, puissance, passion, communication avec le public. Vous avez pensé à beaucoup de choses, hein, pour rester vraiment en phase avec vos éléments musicaux et éléments sur lesquels vous défendez bec et ongles concernant la vie de tous les jours, quoi. Vos idées, quoi. Très important. C'est ça, bah, je pense que on a mûri, hein, et puis on a réussi quand même à progresser encore, hein, en fait, Ouais. d'album en album. Et Et là, on est ultra, ultra, ultra fier du résultat, quoi. Primal Edge, c'est quand même 25 ans de carrière, c'est 3 albums, c'est des singles, c'est des splits, et c'est aussi des tournées européennes, quoi. Vous avez joué partout dans cette planète, quoi. C'est précisé quand même Italie, l'Espagne, l'Allemagne, Belgique, Suisse, hein, Mexique, Japon, Brésil. Ça va, quoi. Vous avez rencontré beaucoup de monde, quoi. Vous avez rencontré les Slayer, les Hatebreed, Napalm Death, All Out War. Waouh, c'est pas mal, quoi. Bien, hein. Caliban, etc., quoi. On a dû faire 17 pays, 3 continents, quelque chose comme ça. Ouais. Vous avez pas lésiné sur les moyens, quoi. Vous êtes parti, quoi. Allez, on y va, on joue, c'est pas grave, peu importe, pourvu qu'on ait l'ivresse, quoi. Ça a été direct, quoi. Ouais. Bah, ça reste forcément, dès que t'es amené, surtout, bah, quand tu vas très très loin, bah, c'est ce qui va rester, hein, parce que bah, une fois que tu as fait le tour de la France, que tu as sillonné dans tous les coins, bah, c'est cool, hein, il reste des souvenirs, mais forcément, T'as envie d'aller voir plus loin. ce qui va rester gravé, oui, ça a été, ouais, le Mexique, c'était le premier voyage lointain. Après ça, il y a eu le Japon, le Brésil, Et forcément, c'est des moments forts. t'as dû être touché par l'accueil des villes locales là où vous avez joué, quoi. Vous avez dû être très certainement touché par les gens comment ils vous ont reçu, quoi, là-bas, quoi. Vous arrivez de loin et vous allez jouer dans une ville que vous ne connaissez pas, vous rencontrez des fans, des gens qui connaissent un peu votre musique, et puis là tout de suite il y a un accueil, quoi, qui se passe. Il doit se passer quelque chose. Ça Ouais, doit être étonnant. exactement. Et une petite anecdote par rapport à ça. Ouais, notamment, il y a eu un. On a fait un concert au Brésil. Ça doit être à Campos. Donc, c'est pas la petite bourgade, hein, c'est le petit coin, c'est la ville qui fait 400 000 habitants. Quand Mais même. comme tu as des villes qui sont hyper éloignées les unes des autres, en fait, on a joué là-bas. Et quand ils nous ont dit, ils étaient ultra honorés parce qu'ils disaient, c'est la première fois qu'un groupe non brésilien joue dans notre ville. Et là, on a fait, non, attends, c'est pas possible. Et clairement, après, quand tu regardes les tournées, tous les groupes ricains, généralement, ils arrivent à Sao Paulo, ils font Sao Paulo, Rio, peut-être une autre ville ou deux, et ils se casquent, en fait, quoi, parce que le pays était tellement, tellement grand. C'est tellement Et grand, là, ouais. on se tapait des 17 h, 18 h de bus à travers la montagne, les forêts, tout ça, et pour arriver dans des coins reculés. Et donc, tu sais, une ville de 400 000 habitants, tu dis, il y a du monde, il y a une scène, etc. Mais ils n'avaient jamais vu un groupe non brésilien. Ouais, ça a dû Donc, ils ont. être quelque chose, hein. 17 heures dans un bus à travers, quoi, les grandes forêts brésiliennes. Enfin, ça doit être quelque chose, quoi. Ouais, c'est cool. Bah, ça fait partie des moments qui restent. Ouais, Tu dois te dire, tu vas te lever, dire, mais où suis-je là? Où je suis, quoi? Tu vas cool. Bah, il regarder y le a un côté ciel. dépaysant. Ouais. Le Mexique, c'est pareil. On a fait ça en février. On est parti d'ici sous la neige. Ouais, et là-bas, il fait. Atterri là-bas, tu te prends un delta de 40-50 degrés dans la tronche. Ouais. Ça serait acclimaté. Et puis au retour, pareil, on a atterri. On est revenu, on était à moitié en tongs. On arrive, on voit à Madrid, boum, sous la neige. Et on dit, ça y est, retour. Bienvenue en Europe, effectivement. Ouais. Dis, en 2019, il y a eu votre deuxième Hellfest, hein. Il y a eu un premier en 2007, et ensuite là, en 2019, sous un chapiteau blindé par la chaleur et le public. C'est ça. Bah, alors forcément, c'est toujours un moment fort de jouer là-bas. Et puis en l'occurrence, bah,
On n'était que deux avec Didier à avoir vécu ce moment-là. Et puis bah, ça faisait rêver tout le groupe. Hein. On a senti qu'il y avait une... non, il y avait aussi Toki à la batterie aussi, ouais, qui avait joué déjà avec Zyartz deux fois, je crois, là-bas, deux fois. Et donc, ouais, bah, on sentait qu'il y avait... Il y avait une petite tension là chez les gratteux. Ils étaient à la fois hyper enthousiastes et puis bah, un petit pincement de se dire on va jouer. Bah, forcément, quand tu vois les noms qui sont sur ce fest-là, bah, c'est des moments à vivre aussi, quoi. C'est ça, ce sont des moments à vivre. Et vos prochains concerts alors, quel sera votre planning dans les mois à venir, voire même l'année Alors, prochaine? on en a le premier qui est booké, ça doit être début janvier. Et si je dis pas de conneries, ça doit être sur Nice ou une ville comme ça. Là, on descend, on va dans le sud. Ouais, ça doit être dans ce coin-là. Je sais pas si je me gourre. Mais ouais, c'est à partir de janvier là, parce que bon, la fin de l'année là, on n'y croit pas plus que ça, quoi. Vous avez bien raison, On prenez vos précautions. devait jouer là, il y a 15 jours sur un fest. Tout était OK et puis le Hate Fest là, et ça a été bah, annulé 3 ou 4 jours avant, je crois. Hein. Par arrêté préfectoral, alors que c'était organisé, prévu, il y avait une jauge de 300 personnes en extérieur. Les gens devaient arriver avec un test sanitaire et rester jusqu'à 6 h du mat pour le couvre-feu, quoi. Il y avait l'aval de la municipalité, les forces de l'ordre, a priori, enfin, tout le monde était OK, et puis bah, au dernier moment, ça a sauté, quoi. Ouais, ça a sauté parce que tu t'appelles pas Indochine aussi, quoi, pour jouer à Bercy, quoi. C'est aussi ça aussi le Ah, problème. voilà, c'est ça qu'on s'est dit. Bon, on aurait fait une autre musique, peut-être que. Un Mais peu là, bon. de maquillage, un peu de cheveux, je pense que ça serait passé. Et là, bon, quand on a vu ça, on dit, bon, bah, clairement, je pense que c'est pas trop la peine de compter Ouais, jouer pour cette année, avant la ouais. fin de cette année. C'est ça. Maintenant, pour les dates qui sont bookées, on doit en avoir 6 ou 7 là, qui sont calées, même jusqu'en 2022, plus tard dans l'année, en Bah, fait. et Alors, bah, je les ai pas en tête, hein, mais je dois en être à 6 ou 7 festivals de Calais, quoi. Tant mieux, tant mieux. Bah, j'espère que vous mettrez le temps à contribution en écrivant encore de la nouvelle musique, parce que faudra pas tarder non plus, parce que le marché va être très serré. Et donc, en tout cas, c'est un très beau disque. Voilà, c'est un bon disque de crossover metal hardcore. Dimitri, merci encore d'avoir été avec nous ce soir en direct on Vinyl Times Classic Rock Radio, Merci émission à toi. 213 Rock. As-tu un message pour les auditeurs qui nous écoutent ce soir, s'il te plaît? Ah ben, j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser sur la route parce que là, on trépigne d'impatience, on n'en peut plus de rester chez nous et on a trop envie de jouer, même les répètes, on n'en fait quasiment pas. Et là, comme on sait que l'album qu'on a à défendre, on a hâte de jouer. Là, quand on a refait le set, on a mis un maximum de nouveaux morceaux, ce qui est la première fois, c'est la première fois qu'on fait ça. Et donc, vraiment, on a hâte de partager ça avec tout le monde et retrouver les ambiances qui nous manquent depuis trop longtemps, quoi. Bah écoute Dimitri, merci, merci encore. Donc je rappelle, l'album, lui, il sortira le 11 juin, c'est-à-dire la semaine prochaine à peu près. Il s'appellera Masked Enemy, Primal Edge sur 213 Rock on Vinyl Times Classic Rock Radio. Voici le single The Devil is Hidden in Shadow sur 213 Rock. Oh yeah. Drop it! I wouldn't talk this one!
Hell yeah, sur la Web Rock Station, Vinny Times, le Classic Rock Radio. Vous l'avez entendu, Primal Age, The Devil is Hidden in Shadow. En direct avec nous, c'était Dimitri, hein, le bassiste du groupe. Je rappelle que l'album sortira la semaine prochaine, soit le 11 juin. Masked Enemy, ok. Vous avez bien écouté l'interview, le podcast, celui-là, il débarquera cette semaine, en tout cas, très certainement le jour de la sortie de l'album, quoi. Voilà. En tout cas, excellente interview, des beaux mecs qui ont traversé le monde quand même, vous l'avez entendu, c'était cool, quoi. Vraiment cool, quoi. Terminons la soirée avec Adzi Gates, le Spectre of Extension, le premier single donc du prochain album The Nightmare of Being sur 213 Rock on Vinyl Times Classic Rock Radio. Thomas Lindberg était en direct avec nous la semaine dernière. Le podcast, il est disponible sur le site vinytimes.fr ainsi que la page Facebook Vinny Times et la page